Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Hotel Show présenté par info-chirik.com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. Au programme aujourd'hui, 20 septembre, la décision sur le main event de Bound for Glory. Heyman parle de Night of Champions, Triple H assomme réellement Kevin Nash, Flair blessé, la WWE devient le Muppet Show et bien plus. La décision a été prise de pousser le main event Kurt Angle contre Robert Roode comme le plus gros main event de Bound for Glory. Plusieurs personnes au sein de la TNS seraient étonnées de voir que la compagnie n'a pas plutôt poussé le match Sting contre Hulk Hogan qui a été annoncé depuis plus d'un an maintenant. Plusieurs sources mentionnent que cette opposition très attendue marquerait la fin des matchs en solo pour Hulk Hogan. Paul Heyman a écrit le commentaire suivant sur Twitter hier soir après avoir vu le main event de Night of Champions. J'ai dû arrêter de regarder Inglourious Basterds pour voir Triple H contre CM Punk. Remplissez-vous dans votre propre chute pour celle-là. Les gens, il a fallu 3 pédigrés et un jackknife pour battre CM Punk. Je sais que pour beaucoup de monde, le fait que Punk ait subi à tomber vous rend furieux. Mais si vous êtes sur le point d'être battu, n'est-ce pas là la meilleure façon de perdre? Comme avec tous les autres, tout est dans le suivi, n'est-ce pas TNA? Voyons voir ce qu'ils vont faire demain soir à Raw. Tiens, j'ai mentionné Raw, cela fait plus de 5 ans maintenant que je suis parti. Je me suis peut-être adouci un peu. Après que Triple H a assommé Kevin Nash avec un Sledgehammer lors de Main Event de NAFTA Champions, Michael Cole, qui a perdu sa voix, a été vu en train de marquer quelque chose sur une feuille de papier pour ensuite la montrer à Jerry Lawler. Ce dernier l'a ensuite montré à des membres de la WWE qui ont couru vers les coulisses. Après le main event, Nash est resté allongé sur le sol jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui porter assistance. Le symbole X a été indiqué et d'autres officiels sont venus vérifier l'état de Nash, même Jerry Lawler. Il s'est finalement relevé avant d'être ramené à l'arrière-scène avec l'aide des officiels. On poursuit avec Ric Flair qui aurait subi une blessure au niveau de son coude gauche au cours du match contre Sting jeudi dernier à Impact Wrestling. La blessure est survenue lorsqu'il a subi une superplex du haut de la troisième corde. Voici ce que nous indique le Nature Boy. C'était brutal. J'ai cru que je m'étais cassé le bras sur ce segment. Je ne sais pas comment je l'ai fait non plus. La diva de SmackDown, Rosa Mendes, a été assiégée à des messages négatifs sur son Twitter en raison de ses commentaires dénigrants envers les divas rookies de la WWE. Pour AJ, elle avait dit qu'elle ressemblait à une fille de 12 ans et avec un cratère sur le visage. Axana semble avoir 40 ans selon elle. Kaitlyn qui semble avoir besoin d'aller sur Jenny Craig et Maxine qui est une fille sur NXT avec le recouvrement incisif énorme. Elle a écrit une réponse à ses critiques sur Twitter. À tous ceux qui me haïssent, si j'avais obtenu $1 à chaque fois que vous m'avez appelé avec un mot dérogatoire, j'aurais assez d'argent pour faire don afin que vous puissiez vous déplacer dans vos caravanes. Mettez-vous au régime, fixez vos dents et obtenez une vie. Voici ce qu'elle dit, ce qui est plutôt rugueux. Et enfin, on termine avec la WWE qui a annoncé aujourd'hui que les Muppets seront les invités spéciaux du Raw du 31 octobre pour promouvoir le nouveau Kermit et les autres qui ont disparu de l'écran depuis près de 10 ans, le Disney Muppets, qui commencera lors de Thanksgiving. La WWE a dit « Qu'est-ce qui se passera lorsque Kermit la grenouille rencontrera le Viper Randy Orton ? Une diva sera jalouse de Peggy la cochonne ? À Halloween, il est temps de juger de la musique, il est temps d'allumer des lumières parce que le Muppet Show prend le contrôle de Raw. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés à notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce, à bientôt et restez branchés.